ci nguru minke ay wa bi maddi aba sheikh tafaddal ma'ana halaltum ahlan wa nazaltum sahlan wa marhaban bikum min darikum ila darikum kama yuqalu min dana min darikum ila darikum tafaddal ma'ana mashkuran mu'azzazan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant que je ne dise quelque chose à l'assistance, je voudrais dire à mon cheikh bien-aimé, yani ya cheikh Mai Ouattara, hafidhakum Allah wa ra'akum wa ayyadakum, ana akhukum saghir fillah wa tilmidhukum min jumhuriyati al-Congo al-Demokratia bayna al-Qawsayn. وأنا درست في بلدي ثم ذهبت إلى السودان لطلب العلم وأخيرا انتقلت إلى مصر حيث تخرجت في الأكاديمية الإسلامية لدراسات الملل والأديان بفضل الله تعالى لأني كنت يعني أريد أن أدرس يعني أن تعلم مقارنة الأديان وأنا متزوج لكن لست متعدد زوجات ما زلت أطوف حول الكعبة وأنا من الخائفين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وهذا لقاء معكم يعني شرف لنا شرف لنا ممكن عبد المجيد الحمد لله ayaka kalam kufuro dami na kuhu wako wala ya kasikiri kukalana ayaka mjine kata sudam alhamdulillah sudam kofet atara misra kwa aseri ayi kalami ka misra woye ka dine usumani woma islami ya ni kerejenya ani ya kuyaya ani dine wana mundi ubenyon sorobi na ubenyon jeron na kata kalam bulla uleka uleka makata wabala kata usrafe kwa ayi kumafulana minda waka alhamdulillah aku ayo fuke nggak masuk di bawah. Bon, ça c'était une parole adressée au chef entre moi et lui. Quant aux frères et sœurs qui nous écoutent, ça c'est notre grand chef qui fait notre honneur sur les nets. Mais peut-être que lui-même il n'est pas conscient de l'impact et de l'influence qu'il a sur les nets. Moi je pensais qu'il n'était pas au Mali. Je pensais qu'il était en Côte d'Ivoire ou au Burkina à cause du nom Ouattara. Mais par après, parce que je suis venu au Mali ici même fois, par après on m'a fait comprendre que non, les cheikhs étaient au Mali. Donc j'ai cherché à venir voir les cheikhs. Je ne comprends pas les Bambara, mais il y a des frères qui nous aident, ils nous expliquent. Lorsqu'ils font la traduction des prédications et des khutob des cheikhs, vous trouvez que c'est un homme qui fait des efforts pour permettre aux musulmans de faire un retour vers la vraie valeur spirituelle et morale de l'islam. Et ça, c'est un grand travail, plus que ce que nous faisons. Parce que le problème des musulmans, ce n'est pas avec les musulmans et les autres, mais c'est les musulmans eux-mêmes d'abord. Donc il faut que nous fassions d'abord un retour vers nos vraies valeurs morales et spirituelles. Comme ça, nous allons retrouver l'honneur qu'il nous a été accordé par Allah à l'époque du prophète et de ses sahaba. Donc les cheikhs est en train de faire un grand travail. Donc nous implorons Dieu pour qu'il l'assiste
pour qu'il augmente sa science, sa sagesse, qu'il lui accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté et qu'il continue à faire de lui une fierté pour l'islam et les musulmans. Et je souhaiterais à ce qu'il y ait maintenant des équipes ou une équipe, parce que vous avez des intellectuels, étudiants intellectuels ici, qui peuvent traduire les enseignements du cheikh, notamment en français. Parce que nous vivons dans une zone qui est francophone. Écoutez l'enseignement que nous avons écouté. Moi, j'ai compris à partir des versets du Saint-Coran sur les ikhlas. C'est très, très important et très profond. Mais les gens qui ne comprennent pas ça, la langue bambara ou la langue arabe, ils ne vont pas en tirer profit. Les Maliens, ce sont des grands connaisseurs en matière de religion. Nous n'avons rien à apprendre, nous, les Congolais, aux Maliens, en matière de l'islam. On n'a rien à leur apprendre. Même lorsqu'ils vont étudier dans le monde arabe, ils se distinguent même dans tous les domaines. Même dans la langue arabe, les professeurs arabes ont peur des Maliens. Ils les respectent parce que quelqu'un peut quitter le Mali, il va en Arabie, il a déjà le Fiat Ibn Malik dans sa tête. Il corrige même les professeurs. Donc s'il veut là-bas, il va là-bas, c'est juste pour avoir un papier. Mais la connaissance est ici. C'est un pays qui est béni. Voyez. Donc notre cher, et tout comme tous les autres chers qui œuvrent dans le sens de permettre aux musulmans de faire un retour vers la vraie valeur spirituelle et morale de leur religion, font l'honneur de l'islam et la fierté des musulmans. C'est pourquoi je me suis dit, je vais venir, j'ai appelé le cheikh bien avant, on a pris contact avec lui. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé pour qu'on vienne saluer notre cheikh. Moi, je ne suis rien devant lui. Quand je suis en face de lui, c'est comme l'eau avec laquelle nous utilisons pour faire nos ablutions, c'est lui. Moi, je suis le sable de Atayamoum. Donc, quand il y a l'eau, on n'a pas besoin d'Atayamoum. Donc, et puis, Sharaf, c'est pour eux, parce que le Coran dit Alladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Awalan ilayka wa huwa al-Quran wa sunna. C'est eux qui sont les dépositaires de cela, qui nous apprennent la religion. Nous, on ne pouvait pas monter sur le podium pour, prêcher ou parler de l'islam si nous n'avons pas été, nous n'étions pas à leurs pieds pour apprendre la religion. C'est après avoir été à leurs pieds où on a appris un peu ce qu'ils nous ont appris. C'est pourquoi nous avons eu le courage de monter sur le podium et de parler de l'islam. De tout ce que nous faisons, l'honneur revient à nos chers. Barakallahu fihim wa jazakumullahu khairan jaza. Jazakumullahu khairan.